La Colombie, c'est un pays très riche musicalement. Et il y a trois genres qui m'intéressent principalement, la salsa, la cumbia, et un genre qu'on connaît un petit peu moins ici, l'afro-colombien. Voilà. En matière de salsa, la figure emblématique, c'est Piper Pimienta, un chanteur fantasque et un danseur hors pair. Souvent, Piper Pimienta chantait pour l'autre figure emblématique de la salsa, Fruco. Fruco, c'est le personnage le plus funky de la musique colombienne. On le voit souvent sur ses pochettes avec un flingue ou une seringue. C'est un bassiste très funky. Ensuite, il y a la cumbia, l'un des genres les plus populaires en Colombie. Les plus grands noms sont la Sonora Dinamita, Lucho Bermudez, Climaco Sarmiento et le plus fou d'entre tous, Abelardo Carbono et sa cumbia psychédélique. Le troisième genre, c'est celui qui m'intéresse le plus, parce que c'est le moins connu jusqu'à aujourd'hui, c'est l'afro-colombien. Mes deux groupes préférés en musique afro-colombienne, c'est Ganda Kenya et Afro Sound. Pour retrouver ce son-là, il faudra aller sur la côte Caraïbe, à la source du son afro. Ce voyage en Colombie ne pouvait pas mieux commencer. J'ai 9 heures d'avion dans les jambes, je suis crevé, mais tout de suite j'adore l'ambiance. Ce soir-là, sur la scène du Latino Power de Bogota, il y a des percussions afro-latines, un saxophone et des platines. Un sacré mélange. Des standards old school qui se télescopent avec de l'électro. Un condensé de l'histoire musicale du pays. La Colombie, je ne suis pas venu pour chercher des clichés. Les narcos, la violence, les enlèvements, les FARC, ce n'est pas mon sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est observer ce mélange entre Amérindiens, Européens et Africains. Une fusion qui a donné naissance à différents styles musicaux, dont la cumbia. Notre voyage commence à Bogota, la capitale. 8 millions d'âmes. Dans toute la ville, les murs sont des œuvres d'art où s'exprime la parole des habitants. Et après 60 ans de guerre civile, ils en ont des choses à dire, les Colombiens. Aujourd'hui, le pays vit une véritable movida. Et l'histoire de la Colombie se raconte aussi par les disques. Première étape incontournable, Cosmos. Un disquaire méga réputé dans le centre de Bogota. C'est assez étrange de rentrer dans un magasin et de tomber sur des chaussures et de savoir que à l'étage, il y a des disques. J'ai jamais vu ça. Oh là là, tous ces disques. Hola, Elkin. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, bien. Si quiere, lo ubico donde está algunos para que usted vaya mirando. Te puedes sentar acá y puedes ir mirando estas dos canastas. Muchas gracias. Bueno. Ici, je devrais pouvoir trouver mes fameux artistes de salsa et de cumbia. Oh,
franchement, il y a beaucoup de disques, mais il n'y a pas des trucs terribles. Après, il faut prendre le temps de chercher un peu plus, peut-être. Mais pour l'instant, on va voir. Mira, Elkin. Non. 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 Non, señor. Non. 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 Non, lo tengo. Non. Non. Nada de eso. En fait, apparemment, il a vraiment été dévalisé. Il n'y a plus rien de ce que je cherche. Et bon, voilà. Mais c'est moi qui suis vexé qu'ils disent non à tout. Faut pas inverser les rôles. C'est lui le disquaire, il a plein de disques, mais il en a aucun de ce que je veux. Ouais, mais t'en ramènes d'autres. Quand même. La pochette arrière, c'est incroyable, ça. Il prend des pauses, Foucault, à chaque fois. Ça, c'est chouette. Il a l'air en parfait état, en plus. En fait, il fallait insister un petit peu, peut-être, avec lui. Il les a pas sortis spontanément. Ça, c'est beau, ça. On prend ça ou pas ? Pas ici. Ah. Yeah. Come on. Ça, j'adore. Ça a l'air d'être un luxe ici, quand même, les pochettes papier à l'intérieur. Ça me fait penser au disque sur Motown ou Atlantic, où il y avait la pub pour les autres sorties du label. Est-ce qu'il fait les prix d'ici ou pas ? Ça reste à voir. Sinon, on a notre technique de dissuasion. Hein. La danse du serpent. Pour hypnotiser le vendeur. Estos discos son a 20.000 pesos colombianos. Cada uno. Eso valen a 30.000. Ese? 30, 50. 50? Ok. 50? más que en New York, más que en Francia, 25, más que en Japón. $25 no es mucho. No es mucho para aquí. Para mí. Para ti. 250. ¿Por qué? No puedo. Los precios son esos. Es un gusto verlos. Si j'en prends 25, on baisse les prix normalement. 520, 500 mil pesos valen estos discos. ¿Sí? Pesos colombianos. Menos no puedo. 340. Correcto. Correcto. Gracias, Elkin. No, a usted. Bueno, voilà, ça commence bien à Bogotá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, listo. Hasta luego. Hasta luego. C'était une belle entrée en matière, cette première boutique. Je repars avec une vingtaine d'albums. De la salsa avec Fruco, de l'afro-colombien avec Ganda Kenya et de la cumbia, bien sûr. La musique colombienne est revenue à la mode à la fin des années 2000. Aujourd'hui, les disques de salsa et de cumbia, c'est pas ce qui manque. Mais les vraies perles se font rares. Les passionnés se les arrachent. Il s'agit de pas mollir si je veux trouver de jolis disques. Deuxième étape de mon voyage, Interdiscos. Le temple de la musique latino. Soy un esclavo moderno.